Comment est-ce que le soir, quand vous rentrez chez vous, vous regardez vos enfants, vous arrivez encore à leur donner la bonne nuit? Moi, je ne comprends pas. Vous savez, à l'école, comme gamin, on me racontait l'histoire que l'Europe, c'était les droits humains, le droit international, la démocratie. C'est la même histoire, d'ailleurs, que les diplomates, les politiciens européens, un peu partout dans le monde, vont raconter à nous, c'est le bien, c'est les droits humains. Et alors, on voit ce qui se passe en Palestine et à Gaza. Et on voit que l'Union européenne soutient. Parce que, soyons très clairs, le massacre et le génocide en cours là-bas sera impossible sans le soutien des Occidentaux. Ceci est un génocide perpétré par Israël avec le plein soutien des pays et des gouvernements européens. La Cour pénale internationale devrait lancer un mandat d'arrêt contre Netanyahou. La Cour internationale de justice utilise le mot génocide, déclare illégale la colonisation de la Palestine par Israël. Mais si, dans ce Parlement, vous défendez cette politique, vous crachez sur les morts comme s'ils n'avaient aucune valeur. Pourquoi ? Parce que quand c'est vos alliés qui commettent les crimes, c'est bien. Vous fermez un œil. C'est ça l'Europe. C'est ça vos valeurs. Ayez honte.